Chaque soir, depuis le début du Ramadan, on assiste aux mêmes scènes. Des files d'attente interminables devant les boulangeries, à l'opposé des mesures barrières contre le coronavirus. Pour éviter ces rassemblements, ces jeunes, une bande d'amis habitant l'unité 26 des parcelles assainies, ont décidé de se transformer en livreurs. Ils viennent d'une boulangerie avec des sacs remplis de miches de pain qu'ils vont livrer dans tout le quartier. Nous nous sommes dit, pourquoi pas aller voir les boulangeries, essayer de trouver un consensus afin de pouvoir distribuer les pains dans le quartier. Comme ça, nos papas, nos mamans n'auront pas à se déplacer pour aller faire leur rang à la boulangerie. Les habitants du quartier ne débourseront que le prix des miches de pain. La livraison est gratuite. Aujourd'hui, 113 miches commandées seront acheminées dans plusieurs maisons. L'initiative est très appréciée par les riverains. Voilà, c'est du pain pour chaque maison. En ce moment de Ramadan, les jeunes se déplacent de maison en maison pour distribuer les pains et tout. Vraiment, c'est une excellente initiative. On ne pouvait pas avoir mieux avec la queue dans les boulangers et autres. Ce n'est pas du tout facile. Hein. Vraiment, que Dieu les bénisse. C'est vraiment gentil de leur part. Bienvenue à la maison. Dans cette maison à Liberté 6, on a tout bonnement décidé de se passer du pain des boulangeries. Voilà, voici ma cuisine. Au menu de la rupture du jeûne aujourd'hui, des mets simples et faciles à préparer. On va faire des croque monsieur et des croque madame. Voici les œufs pour les croque madame. Et là, le jambon pour les croque monsieur. Il faudra un boulet moins d'une demi-heure pour préparer de quoi satisfaire au moins 5 personnes pour la rupture. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Elle concocte à côté des beignets de crevettes tout aussi faciles à préparer du fast-food fait maison. Je roule les beignets. Voilà. Et hop dans la friture. J'arrive pas à comprendre le rassemblement qui se fait au niveau des boulangeries et autres. Parce que soit on a le choix d'y aller très tôt ou de se concocter de petits plats sans qu'on ait besoin de pain. 19h, à quelques minutes de la fin du jeûne, tout est fin prêt. La table à manger prend petit à petit forme. Preuve qu'il est bien possible de se passer du pain. Ce ne sont pas les alternatives qui manquent.